seulement de découvrir les jeunes talents, mais également de les mettre en situation professionnelle à l'intérieur de nos productions de théâtre, et notamment sur les spectacles pour enfants que nous faisons régulièrement pendant les vacances. Alors, je dois dire que je suis aujourd'hui très satisfait de cette association entre Falré et nous-mêmes, parce que nous avons un objet commun qui est l'intérêt général. Servir les jeunes pour ce qui me concerne et servir les personnes en difficulté psychique pour ce qui concerne Falré. Alors je souhaite une chose, c'est que cette soirée et cette vente, bien entendu, vous satisfasse et satisfait également les comptes de nos deux associations. On a besoin de vous et je crois que vous avez aussi besoin de nos efforts. Merci beaucoup, bonne soirée et je donne la parole à notre président Falré. Merci beaucoup, monsieur Magène, pour... À 100 euros, nous sommes pour l'instant. C'est parti, à 100. À 100, nous sommes. À 100. Il fait une proposition. À présent, la plupart des enchères étaient à droite. Qu'est-ce qui se passe à gauche, là? À 100 euros, nous sommes pour l'instant. À 100. 100 euros. Ah, 150, bravo. 150. Ah, mais j'aimerais un peu plus de combat quand même. Pour la santé, 150. 200, bravo. 200. 250. Un peu à côté. À 600. Ça va être à vous, assistant. Vous les avez en comptant, bravo. Les deux chasseurs, voilà. Belle chaussette rouge. Et avec la prochaine, les deux. Le numéro 45, Rhinocéros, pastel sur toile, de Bernard de Marais-Delpuis. Ah ben voilà. Et vous attendez, là, il attendait les chasseurs. Alors, 100 euros le rhinocéros. À 100. À 100, nous sommes. Vous voyez, 100 euros Bouddha, pour méditer. À 100 euros, suivons. C'est une belle tête de Bouddha, quand même. Super, on passe. À 100 euros. Non ? Personne ne veut méditer sur le sort du monde. Non, bon. À 100. À 100. Alors, qu'est-ce qu'il y a après Bouddha ? Voyons. 150. C'est là. Bien vu. 150, ça va être à vous. C'est à vous. Bel achat. 150. Ensuite. Le numéro 99, Gilles, acrylique sur papier, de Jean-Marc Perfetti. Ah ouais, belle. Belle tête, là. Superbe. 100. Allez, 100. 150. Vous ne pouvez pas laisser passer ça, c'est magnifique. 150. À 150. Bien vu. À 150. C'est à vous, bravo. 150. Ensuite, le numéro 100, 100 titres, 1000 sur poêle, de à 100, c'est un cadeau, hein. 100, ça a l'air de vous tenter, non? À 100, vous, je suis sûr que ça vous tente. À 100, c'est une belle cette carte quand même, hein? D'accord? Allez, la 280, là, 100. 50. À 50. 50 euros nous sommes. 50. Des costumes de scène, enfin. Belmont Rose, merveilleux, non? Hein? Quand vous allez manger ça, vous allez voir. Hein? À 50, non? Personne ne veut Belmont Rose. Bon, alors voyons. Le numéro 2, c'est quoi, alors? Alors, le lot numéro 1 bis, liquette de poche. Donc, c'est une liquette rayée à manche longue. Alors, à 50 toujours, cette chemise? Oui, on commence à 50. À 50, la chemise de Belmondo, toujours? 100, hein? Non, 50. 7 000 devant, parfait. Ensuite,
Le numéro 2, robe de chambre en satin modernée. C'est une robe de chambre en satin mordoré, tout gris et rouge, col, châle et ceinture. Alors, oui, ben, ça, c'est plus belle pièce. C'est celle qui est sur le mannequin, hein. Alors, ça. De l'en déposer avec cette. Alors, 50. Robe de chambre, 100, bravo. Non, 50. 50. Ici. Ah, ben voilà, ouf, il y en a une de l'autre. C'est là. 50, merci ma chère. C'est à elle. Merci. Non, bonne affaire. Bonne affaire. Très bien. Oui. Qui veut essayer? Il est sur le portant du tatouage. Bon, bah, ils veulent pas de pantalon, alors peut-être qu'ils veulent une veste. Oui, il a le numéro 6 qui est une redingote grise. Une redingote? Redingote? Oh là là. Attendez, on va lui mettre. Alors, ça, c'est la dinguerie, ça. Allez, 50 euros, une redingote. Ça, c'est un peu lourd. Portée par Belmondo. 50. Bon, bah, ça vous intéresse les costumes ou pas? Oui. Parce que sinon. Sinon, on va voir. Ah, 100 là-bas. Merci. La belle redingote. C'est fait, tout à fait au fond là-bas. Merci. Ah, quand même. Ensuite, ce sont les costumes portés par Jean-Paul Belmondo dans Tailleur pour dames en 1993 et 1994. Là, c'est le lot numéro 7, un pantalon beige. Alors, un pantalon porté par Belmondo. Un pantalon de Belle, 50 euros. Non ? Personne pour le pantalon ? Alors, voyons ce qu'il y a la suite. Un tel pantalon. Le numéro 7 bis, également un pantalon beige. Un autre pantalon de Belle. 50. Toujours aussi enthousiaste. Voyons la suite. Le numéro 8. 8. Une veste beige. Ah, c'est une veste écrue, rayée beige, col-poche, gants. Allez, très rentable, cette veste. Allez. 50 euros. À 50, nous sommes une veste portée par Bebel et tout à fait portable. L'été prochain, regardez. À 50. Non ? Alors, voyons ce qu'il y a après la veste. Le lot 8 bis, veste beige. Une autre veste beige. 50 euros. 50 euros, la veste beige. Hein ? Elles sont un peu arrachées. Toujours aussi enthousiaste, à 50 euros. Non ? Alors la suivante. C'est le numéro.